Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'ouverture, puisque ça y est, je les ai enfin reçus! Bonjour, on se casse la gueule, bah bravo, vous êtes C'est vous que je parle chaque samedi soir lors des Yugi Live samedi soir. Bon, on les a enfin reçus. Enfin. Après. Une longue attente. 4 semaines. Très longue attente. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, c'est émouvant. J'ouvre un carton, ça tourne mal. T'inquiète pas, le classeur est là. Oh. Il y en a 6. Donc on en a 3 chacun. Ce qui fait beaucoup, beaucoup. On fait quoi? Tu commences, je commence Je sais pas. Bah, je commence, alors si tu sais pas, à moi, toi je l'honneur, vas-y. Moi je sais, je veux pas perdre de temps, je veux en ouvrir un. Alors. Je veux jamais perdre de temps ici. Ah la vache! Alors nous avons les magiciens des ténèbres en carte Giant Curve. C'est oversized. Ah, bah il y en a qu'une en fait, en par anglais. Ok. Oui. Oversized, oui. Ok. Donc ce sont les magiciens des ténèbres. Grosse, grosse carte. Que je viens d'avoir. Ouais, qui est très belle, hein, si vous voulez voir là, plus beau. Ouais, très utile. Et dedans, donc, nous avons 6 boosters par boîte. Et chaque booster contient donc 5 cartes. Bon, ça, vous le savez. Nous, on va ouvrir tout ça. C'est parti. J'attends que Marie termine. C'est oui, bon? T'as ouvert? T'as terminé? Ok. Non, allez, on va ouvrir le premier booster. Et on commence avec Assaut de l'air, As, Zeke. Ensuite, nous avons Parapluie, Agrucum. Franchement, elle est shoot. Kingyo Tsukui. Super Véhicoroïde Alliance Furtive. Monstroïde. Et Sinistérique, parfait. Hein, une carte que déjà je voulais pour mon deck Harpy. Ensuite. Excusez-moi, mademoiselle, je vais prendre un peu plus de place. Oh, le renoncer. Ah, exactement la carte que je recherchais. Le renoncer Anima, la carte Link que je voulais. Machine de bulle, vitesse roïde. Syntoniseur corrompu, t'as dit quoi? Bille. Ah oui, machine de quoi? J'ai dit bulle. Syntoniseur corrompu. Ascension cubique. Et château doré de Stromberg. Stromberg. Je connais pas les Tomberry. C'est dans Final Fantasy. You don't know the Tomberry. Lévianir, dragon du chaos. Putain, mais elles sont vraiment trop belles. Jeune protectrice, soldat de l'épée destructrice. Allez, franchement, les shoot en plus. Petit monstre Link. Monde zombie, le terrain zombie, hein, qui fait bien chier parce que tous les monstres sur le terrain deviennent zombies. Salamangrande, Almirage. Et Empereur Oyama, que je voulais aussi. Donc parfait pour l'instant sur. Sur combien là? Sur 3 boosters. Trois cartes que je voulais. Déjà des belles choses. Ouais, voilà, carrément là des belles choses, très belles choses. Bud Phantom, Mecha Aura Dragon. Donc nickel. Si, Mecha Aura. Ah non, Aurora donc. Bud Dragon, ouais. C'est pas grave, on invente un dragon dessus, c'est encore plus classe. Château Doré à nouveau donc de Steamberg. Jeune protectrice soldat de l'épée destructrice. Monde zombie encore. Et Salamangrande, Almirage. Déjà okay. Pas mal de bon là. Ouais, bah ouais, non, mais après, il n'y a pas énormément de cartes, mais il y en a beaucoup qui sont très recherchés. Oh. Ah ben voilà. Génicea Traptrix, donc les Traptrix. Grenouille démon, hein. Grenouille qui s'est pris une petite balise, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps. Caspar Magie de Mousquetaire, Division Corrompue, et 6 Samouraïs Secret Fuma. Et on termine avec le dernier booster. Ça c'est bon ça, Lib le maître des épées de la clé du monde, pour l'héritage du monde je pense. Dangereux cauchemar, fourreur. Machine de billes, vitesse roïde. Syntoniseur corrompu et ascension cubique. Ok, bon, ma première ouverture assez vraiment sympathique, je dois l'avouer. Pour moi en tout cas, je suis content de ce que j'ai eu. Attends, alors, qu'est-ce que tu veux, ouais, qu'est-ce que tu veux avoir toi de ton côté? Guide des enfers, celle-là, ça serait bien qu'on l'ait, celle-là, j'allais dire un display, mais dans duel de surcharge. Ah bah oui, duel de surcharge. Après, restez jusqu'à la fin de la vidéo, enfin non, pas vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, restez jusqu'à temps que vous voulez, bien sûr. Mais en fait, on va faire un truc, c'est qu'il y aura une autre vidéo avec les duels de surcharge qui arrivent prochainement.
N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Une fois qu'on le dit pendant l'ouverture. Attention. Attention, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors. On y va. Création artisan de sorcière, la carte que tu joues. Directement une carte pour mon deck artisan de sorcière. Nickel. Ouais. Soldat d'élite alien structure M. Dragon Antélie des ténèbres. Pas mal, qui s'expandule. Redraptor Strixage. J'arrive pas à lire. Sauvaris. Sauvaris ancien. Oh là, elle est trop belle. Ouais, c'est dans le rituel, elle est belle. Elle est belle. Si, on fait tort alors. Ouais, la porte qui est super jolie. Oh, ouais, ici, les dragons. Moi, celui-là, il sera un peu éclaté. C'est celui que tu viens de voir, celui-là, ouais. Moi, les mieux, je pense. Là, les 6. Ouais. Il a déjà profité du carton. Oh, la chance, transporteur union. Empereur Royama. Rouage paradoxal corrompu. On connaît pas. Soldat d'élite, l'alien structure M. Héros des lumières du mirage. Avec héros, ouais. À l'époque, en plus, j'ai très... pas mal de héros déjà. Elles sont belles les cartes. Mmh. Mais après, c'est que des ultras hein, qu'il y a dedans. Donc, c'est assez vite rentable en fait, d'une certaine façon. Oh bien. Éveil des possédés. Empereur Spectre. C'est quoi ta trilogique, c'est ça. Jugement des nains. Référence à Dragon Ball, le typhon d'espace en ultra. Ouais. Territoire corrompu. Ça va, en vrai, toi, t'as des trucs sympas. T'as plus de trucs qui m'intéressent. C'est vrai? Ouais. Toi, t'en as aussi qui m'intéressent. Bah, je sais, j'imagine les cubiques. Bah, déjà, ouais. Ah, flûte. Oh, putain, j'y crois pas. C'est du. C'est Orcuste. Dingir sous l'orcus du berger. De l'étoile du toits du berger. J'ai peut-être du mal avec celui-là. Pourquoi Obscurity? Ah, erreur. Zephyros, l'élite. Bah, Parapluie agra et Koum. King Yosuf Kiwi. Super. Vécroïde. Véicroïde. Oui, alliance furtive. Vécroïde. C'est pas pour ça. Ah, mais. La fatigue et l'excitation va falloir enfin. Ces cartes à rechercher. Ah, ça, enfin, tu peux le dire. Oh, Osclage de la Révélation. Territoire corrompu. Spadassin des flammes féroces. Autros de ferraille. Oh, si. Oiseau de la souveraineté. Nice, nice, yes, nice. Yes, yes. Allez, le petit, enfin, le petit dernier de la première boîte. Oui. On va réussir toutes bien les ouvrir ça. Oh, j'ai plus de magie de l'aide. Ouvre déjà. Oh, magie de l'aide. Magie de l'aide. Ça va refaire partie de mon deck. C'est vrai que toi tu cherches à X's là-dedans, c'est vrai. Oui, la chocolat, ouais, carrément. Sélection corrompue, Empereur Royama, Rouage paradoxal corrompu. Oh, maître de la vanité. GG, le maître de la vanité, ça c'est good ça. Super. Nice, t'as eu des bonnes cartes. T'as eu des bonnes cartes. Ouais, ouais, ouais. Alors, la carte que j'ai dans le mien, c'est une blague. À nouveau les magiciens des ténèbres. Une deuxième. Bon. Bah celle-ci, on vous la fera peut-être gagner en concours. Pas les 6, du coup. Moi je vous la ferai peut-être gagner en concours du coup celle-là. N'oubliez pas de follow sur Twitter. Allez. Pardonnez. Oh putain, je sais pas ouvrir des boosters moi. Alors, Cyber Dragon Infini, ça c'est nice. Parapluie Agricum qu'on a encore. Gigaplante, ah j'avais même pas qu'à dans ce dans cette ouverture Gigaplante. Céleste Héros de la Destinée, oh putain c'est trop bon. Et Starfire, magie de Mouqueter. Bah oui, Mouqueter. Albert le 5ème Mouqueter. Tu connais pas Albert le 5ème Mouqueter? Non. Tant mieux.
Alors, Alkifibrax Criston, Cristron, pardon. Spadassin des flammes féroces. Vous avez vu, je sais dire spadassin maintenant. Orthro de ferraille. Simog, l'oiseau de souveraineté, ça c'est nice. Et le soldat d'élite alien structure M. Allez, je vais au moins essayer d'avoir une chocolat pour Marine, ça serait vraiment, vraiment, vraiment top. Parce que mine de rien, cette carte-là, elle la recherche. Donc ce serait super si on pouvait l'avoir. Et on commence avec Fantasmi. Ah oui, dragon fantastique, ok. Dragon Antélie des ténèbres. Red Raptor Strix Sage. Sauvaris. Sauravis, pardon, l'ancien. Et Transcendance Synchro. Ok, là, il en reste 3 boosters. Il y a peut-être une chance de réussir à l'avoir. Enfin, il en reste encore plus que ça, parce que du coup, il reste encore pas mal de boîtes. N'est-ce pas ? Alors, Magie de laine, Magie d'Olché, l'ultime guerrier d'une autre planète. C'est une vieille carte, ça. Harmoniste floral de la composition. Ah, ça c'est parfait, c'était pour mon deck musique qui me faisait aller la link, donc c'est parfait. Syntoniseur corrompu et Echidnée Reptilia. Alors, un Echidnée, pour ceux qui connaissent bien Sonic, vous connaissez Knuckles. Knuckles, Sonic, Echidnée, je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez, allez, allez. Oh, le Sainet qui est tombé, oui. Alors ça, par contre, c'est grave d'art. Alors là, je suis hyper content. L'ultime guerrier d'une autre planète. Ça, on s'en branle, du coup, parce qu'il y a eu Sainet avant. Ascension cubique. Kingyo Sukui. Et Electro Girafe. Et dernier booster. Allez, toi, en plus, il te reste deux boîtes. Elle va tomber, ne t'en fais pas. Ta carte X6 de chocolat Madoché va tomber. Si elle tombe pas, c'est vraiment que on est des poissards. Alors, Dingirisu, Orcuste, Déesse du Chaos. Allez, classe. La Déesse du Chaos est super belle. Hymniste en feu. Salamandre Grande, Almirage. Et pour terminer, Madame Vert, Artisane Sorcière. Comment t'es contente? C'est à toi. Je suis en italien, alors. C'est à moi. C'est pas top. Alors, la carte. Guité sans faire encore une fois. Allez, on a tous les deux eu le double. Bonne poubelle. Ouh. Allez, on y retourne. Bah non, c'est pas vrai. Si, si. Ok. Éveil dépossédé pour commencer. Super Véhicroïde d'Alliance Furtive. Sinistérique. Débordement cybernétique. Bonne carte. Exacoupe Vitesse Roid. Ça va, c'est une bonne carte. Ça va. Libérez le Kraken. Oh. Le renoncer. Chacun le nôtre. Parapluie, Grecum, Gigaplante. C'est le héros de la destinée. Et j'arrive pas à dire son nom. Starfire, Magie de Mousquetaire, mais oui. Magie de Mousquetaire. Franchement, celle-là, ils l'ont cherché loin quand même. Hein. C'est clair. Hein. Faut pas le rapport entre la magie et le mousquetaire. Non, mais c'est pas qui fait de la magie. Merlin mousquetaire. Mais le rapport dans la vie. Ah, ouais, peut-être mousquetaire dans un truc. Chanceuse, putain. Transport de réunion. Territoire campus. Et c'est toi qui as eu toutes les cartes cubiques jusqu'à là. Oui. Elle noire, Zéphiros de l'élite. Parapluie Grecum. King Yosuku. Décidément. Ça y est, ça commence à sentir bien redondant. Hein, quand même. Bah, normal, hein. C'est quand même. 6 x 5, 30, x 2, 60 cartes pour l'instant. Enfin, en fait, ça en fera 90 chacun. Donc, pour ceux qui ont eu le courage de venir jusque-là. Alkifibrax Criston. Déesse du cadeau. Du chaos. Hymniste en feu. Salamandre Grande Almirage. Et voilà, belle. Allez, dans deux boosters, si t'as chocolat dedans, t'es refait. Arrête, je serais trop contente.
spoil. Fantasmé, dragon fantastique. L'ultime guerrier d'une autre planète. Harmonie, la florale de la compositrice de blablabla. Syntoniseur corrompu. Echiné reptilia. Au petit dernier. Mm. Non, pousse! Poussez, madame! Oh! Donc, Armélir, le dragon chef des étoiles. Héros lumière du mirage. Empereur. Jugement d'Amina. Typhon d'espace mystique. Chips! Tu peux plus parler pendant toute la vidéo. Et la dernière boîte, du coup. Alors, c'est parti pour toi. Oui, pour moi, la dernière boîte. La magicienne des ténèbres, cette fois. Donc là, oui. Là, ça vaut le coup, là. La belle magicienne, là. La magicienne. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Et entrer le vivant. Par Satan. Allez, on croit en chocolat. Chocolat. Suspense. Transporteur Union, parfait. Donc à nouveau Empereur Spectre, Jugement d'Enma, Typhon d'Espace Mystique et Territoire Corrompu. Bon, c'est pas dans celle-là. Chocolat à la mode, Pudding Cess, Elnor Zephyror, Parapluie Agricum, Kengiyo Tsurugi et Super Vigorokoid, le Monstroid. Bon, pour l'instant, rien de nouveau. Je passe sur celle qu'on a déjà vue, on va pas s'arrêter à lire le nom des cartes, on les a déjà vues, donc voilà. Guide des Enfers, oh mon dieu, alors ça je suis content. Caspar, Magie et Mousquetaire, Division Corrompue, Si Samouraï Secret Fuma, non ça c'est, je crois pas qu'on l'a eu, et Dangereuse Cauchemar, j'ai envie d'un couscous, ça doit être pour ça. Le couscous cauchemardesque. Alors, dispositif de l'enfer, héros extra. Ah, mais ça, franchement, la carte X6 héros. Verrouillage de deck. Oh là 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 là. Sauravis. Géant du Vallon. C'est pour, c'est pour les decks Guan Yu, tout ça. Et formule magique. Super bonne carte là dans le dernier. Je suis super content. Super bonne carte. Et on termine avec l'avant-dernier. Donc, Dragon Lien, 5 têtes, mon dieu, mais c'est pas. Céleste héros de la destinée, carte du destin, dragon en télé des ténèbres et la grenouille démon. Putain, mais c'est abusé quoi! Alors là, cette boîte là, par contre, elle est vraiment ultra cheatée. J'espère que la mienne va être pareille. Je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Alors, dragon affamé, dose mortelle, Venimini, l'empereur Oyama, rouage paradoxal corrompu, soldat d'élite, ancien structure M et la dernière carte qui sera héros de lumière de mirage. Je regrette absolument pas ce que je mets dans cette boîte. Mais alors, un truc de fou. Alors là, je suis refait, mais refait, j'ai refait. Et moi aussi, j'ai eu ma petite magicienne des ténèbres. Alors, quelle carte vas-tu avoir un petit chocolat encore une, ça serait sympa. Comme ça, j'aurais fait cette complète. Comme j'en ai déjà eu en italien. Du coup, t'as toute la carte magie d'Oché, je suis en train de penser là. C'est non. Bon ah, il non, il, manque il, laquelle manque, il y a Pudding Cess, je crois qu'il devait tomber que. Bah, je l'ai pas eu. Pas eu. Non. On a eu Magie de l'air. Ah, pardon. Donc, de la table. Cimetière des âmes errantes. On n'a pas eu encore, je pense. Là. Ouais. Véhicroïde. Numéro 26, cuirassé. C'est quoi le deuxième mot? Cuiranoïde. Ok, d'accord. Oh là là. Pilule d'évolution double. Ouais. C'est honteux! Daruma cubique, ah ça y est, la cubique, c'est la première que j'ai, alors c'est moi qui l'ai peu. Ouais, mais là t'as eu 2-3 cartes là qui sont. Toi aussi t'as eu quelques cartes qui sont. Oui. Mais sachez que la prochaine vidéo ce sera un duel fait avec chacun les cartes qu'on aura eues. Donc n'oubliez pas de vous abonner. C'est l'Hélène, reine des maîtres magiciens, trouve bien. Elle est bien, c'est justement d'Enma qu'on a déjà eu. Et qui n'est rien. Il y a formule magique, Exacoup. En vrai, ça va. Oui, c'est bon, ça va. Le renoncé Anima. Je
machine. Numéro 27, encore 6 morts, oiseaux. Et c'est la magie. La magie. La musique. 1, 2, 3, 4 musiques. Il te reste 3 boosters. Mais oui, mais tu ouvres pas devant, donc... Magie de laine, j'ai touché. Voilà, dommage. Ouh, Seigneur Struxipsi, Omega. Causalité cubique, ouais. Caspar, magie de mousquetaire. Et Roi Dragon. Ouhou. Que les cartes que j'ai achetées récemment, c'est cool, à l'unité, alors qu'elles sont toutes dans ces boîtes. Donc, le principe qu'il y a une caméra, c'est qu'on l'ouvre devant la caméra, en fait. Tuto unboxing. Je viens de l'acheter. Moi aussi, je viens de l'acheter. Balistron âge ancien. Dinomusicus paléozoïque. Parapluie agricum. Gigaplante. Céleste héros de la destinée. C'était la dernière. Non, mais il te reste un booster. Et il me reste un booster. Ah, c'est déjà la fin, quoi. Cyberurgence. Red Raptor Strike Sage. Daigusto Emerald. Sélection corrompue et carte du destin pour finir. Donc du coup ça te fait combien pour les Madolche, là, celle que tu voulais? Celle qui est tombée là juste avant dans le booster. La magie de laine, bah, j'en ai eu deux, t'en as eu une. J'en avais déjà. Et celle-là. Ah c'est magie de laine, d'accord. Oui c'est magie de laine, ouais. Et c'est Poudin 16 qui est pas tombé, c'est ça? Poudin 16 qui est pas tombé, il me semble. C'est sûr que je sais plus si elle était là-dedans ou pas, mais pas si ça reste mais une très très bonne ouverture mine de rien. Faut pas chipotailler. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à regarder la prochaine, qui sera donc un duel avec un petit deck qu'on aura fait chacun avec les cartes qu'on a eues. Ça va être sympa. En attendant, je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram, le groupe Facebook, rejoindre le Discord, venir aussi sur Twitch lors des Yugi samedi quand on fait des duels. Et surtout, bah, je fais des concours sur Twitter et je vais vous faire gagner donc les magiciens des ténèbres. Hein, parce que bah, j'ai eu en double et j'aurais pas l'intérêt d'en avoir plusieurs de ces trucs-là. Donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Moi aussi, je vous fais des énormes bisous. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te jette un sort. Toi, bah, moi aussi. Non, tu peux pas. C'est moi la magicienne. Non, j'ai une force de miroir. Oui, mais moi, je suis magicienne. Allez, à bientôt.